Hey hop tout le monde, c'est Shorty et je fais cette petite vidéo de quelques minutes vite fait pour vous prévenir ou pour plutôt vous recruter si je puis m'exprimer ainsi pour vous recruter dans ma guilde toute fraîchement créée sur The Elder Scrolls Online sur Tessot. Donc juste comme ça, pour ceux qui voudraient me rejoindre sur The Elder Scrolls Online, donc le comment vous pouvez faire, c'est tout simple. Il vous suffit de m'ajouter dans votre liste d'amis et de venir à Cœur Ébène, parce que malheureusement, oui, ceux qui ont choisi l'alliance de Dague Filante et des Almeri, si je me trompe pas, je sais plus. Enfin, on s'en fout. Tous ceux qui n'auront pas choisi, malheureusement, le pacte de Cœur Ébène, sauf ceux qui ont l'impérial, évidemment, malheureusement, ne pourront pas venir jouer avec moi puisque je suis à Cœur Ébène, donc. Donc, le truc, c'est que bah, vous pouvez m'ajouter avec. Enfin, en ami sur le jeu avec le pseudo qui apparaîtra quelque part sur la vidéo, peut-être, je ne suis pas sûr que je le mettrai sur la vidéo, ça dépend combien de temps les autres montages et les autres vidéos vont prendre juste avant. Sinon tout sera noté dans la description, c'est-à-dire que mon pseudo sera noté dans la description et où je serai pour vous recruter. La plupart du temps ça sera dans Cœur Ébène même. Ça sera un lieu convivial pour du recrutement. À la taverne de Cœur Ébène en bas, tout près du port. Ouais, ça me semble correct. Donc voilà, donc pour ceux qui voudront m'ajouter, regardez dans la description. Il y aura mon pseudo afin que vous m'ajoutiez en ami dans le jeu. J'accepterai directement. Et je vous recruterai en guilde. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça aura tout simplement pour but de jouer ensemble, faire des raids, faire des boss, faire des quêtes, enfin jouer ensemble tout simplement. Et je pense que c'est tout. Ah ouais, aussi accessoirement, aller PVP et défoncer les pauvres petites personnes sans défense ou avec des petites guildes mal équipées, etc. etc. Peut-être pas tout de suite, mais à plus haut level, ça peut être vraiment sympa. Et autre petite chose aussi, c'est pareil, c'est du recrutement. We need you. C'est du recrutement, sauf que là, je ne peux pas créer de guilde parce que ce jeu n'a pas encore. Enfin, de guilde, de clan, de team, appelez ça comme vous voulez. Puisque ce jeu n'a pas encore de système afin de créer cela. Je ne sais pas s'il y en aura, peut-être, on verra bien. C'est sur DZ. Ou Daisy, appelez-le comme vous voulez, sur la standalone. Comment dire? Il y aura juste une petite particularité sur la standalone de DZ pour le recrutement, pour ceux qui auront le jeu. Je vous demande pas d'avoir du stuff spécifique. Je vous demanderai juste de vous habiller complètement en noir. Et d'avoir, parce qu'il faut bien qu'on me reconnaisse moi par rapport aux autres, d'avoir un casque de moto, donc ça sera un casque qui traînera, un casque de moto ou un casque militaire vert. Parce que bon, le rouge c'est bien, mais le truc c'est que c'est pas très. Enfin, c'est flashant de loin, donc c'est pas le top. Donc un casque de moto ou un casque militaire vert sur votre tête, donc habillé tout en noir. Comme ça fait plus, c'est plus sympa. On voit bien que c'est une bande qui débarque dans la ville. Habillé tout en noir, donc le plus facile c'est d'avoir un tactical shirt noir, un cargo pant noir aussi, pareil, et d'avoir bah il y a les haches noires maintenant, donc c'est pas trop un problème. Et pour les M4 ou pour les Mauser, enfin suivant l'arme que vous avez, pareil, la déclinaison en noir existe aussi. Et je pense que ce sera tout. Pour vos gilets pare-balles, si vous n'en trouvez pas noir, c'est pas grave non plus. S'il est. C'est un camo, etc. Enfin.
Faites avec ce que vous avez, mais essayez d'avoir le plus de pièces noires possible. Et sinon, ce que je vais faire, c'est suivre les commentaires de cette vidéo sur aussi bien les commentaires de Elder Scrolls Online que de DayZ. Ce que je vais faire, c'est je referai une deuxième vidéo seulement pour DayZ, par contre, à ce moment-là. Je referai une deuxième vidéo dans une semaine. Dans une semaine, donc aujourd'hui on est le mardi, oui, avril. Je referai une vidéo dans une semaine, donc on sera le 15. On sera mardi 15, donc il y aura la nouvelle vidéo qui sortira et qui vous dira exactement combien on sera potentiellement sur DayZ, parce que je sais qu'il y en a qui disent qu'ils viendront, mais qui au final ne viendront pas, comme dans tous les jeux, tout simplement. Désistement, etc., etc. Enfin, tout ça, ça existe, c'est normal. Et je ferai cette vidéo pour vous dire à quel endroit sur la carte on se retrouvera, ainsi que sur quel serveur, même si je pense que dans cette vidéo, il y aura le lien du stream que je ferai le soir même sur le jeu. Comme ça sera beaucoup plus facile pour vous pour avoir l'IP et pour venir nous rejoindre. Ça sera certainement dans une petite ville. On ne va pas se faire donner le rassemblement à Electro. Ça risque d'être un petit peu trop voyant au début du jeu. Et puis surtout, s'il y a des gens qui sont là et que vous vous connectez petit à petit et que vous vous faites tuer au fur et à mesure à cause des autres personnes qui seront déjà présentes sur le serveur et qui ne feront pas partie de notre groupe, c'est pas spécialement plaisant non plus de vous voir perdre votre stuff pour rien. Moi, pour me reconnaître, ça sera pas dur. Je serai habillé totalement en noir. Je n'ai pas de sac dans le dos. Donc, ce n'est pas dur de me reconnaître. Je n'ai pas de sac. J'ai une hache noire. J'ai un casque noir et je suis habillé tout en noir avec un mosaïque noir, en fait. Voilà. Complètement noir. Juste ce qu'il faut. Et sinon, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, oui, c'est simplement du recrutement en masse. Surtout sur Elder Scrolls Online. Où là, on a vraiment besoin de vous parce que personnellement, j'arrive au niveau 22. Et comment dire? Farmer des mobs tout seul, c'est sympa. Mais c'est bien mieux en groupe. Et surtout, en groupe, on peut faire des raid boss, on peut faire des boss de quête, etc. Est-ce que si je vais en solo tout contre ce genre de type de mob, je me fais défoncer à peu près 2,5 coups. Donc voilà tout simplement ce que j'avais à dire. Donc sur ce, comme d'habitude, que ça soit aussi bien pour Elder Scrolls Online ou que ça soit pour DayZ, marquez-le en commentaire si vous voulez être, j'allais dire engagé, mais bon, ça fait Légion romaine, engagez-vous, qui disait. Ouais, on va dire ça comme ça, enfin, vous me comprendrez. Si vous voulez être recruté, voilà, recruté dans la guilde de la Confrérie de l'Acier sur Elder Scrolls Online. Et pareil, si vous serez présent sur l'événement DayZ qu'on fera tous ensemble afin d'aller défoncer les gens qui seront présents déjà sur le serveur. Parce que tout simplement, DayZ est fait pour se défouler et manger des cadavres de gens fraîchement tués. Ceci était un message subliminal du clan des cannibales. Donc voilà tout simplement donc ce que j'avais à dire. Donc sur ce, comme d'habitude, un petit j'aime, c'est toujours sympa. Partagez cette vidéo pour tous ceux que vous connaîtrez sur DayZ ou sur Elder Scrolls Online. Comme on dit, plus on est de fous, moins y a de riz. Et sur ce, n'oubliez pas, l'apocalypse, c'est bien, mais pas trop. Allez, salut tout le monde!